que la priorité des priorités, c'est de s'occuper de la jeunesse, et notamment de la jeunesse qui est sur le bord de la route à l'heure actuelle. Le chômage chez les jeunes existe trop en France, mais notamment dans les villes de banlieue, et à Argenteuil bien sûr, et encore en plus ciblé dans certains quartiers d'Argenteuil. Donc il faut un service municipal très professionnel, très expérimenté, pour recevoir les jeunes un à un, les écouter, et à 95% de chance, savoir les diriger vers telle et telle voie de formation ou de professionnalisation ou de job direct. Mais les jeunes à Argenteuil en ont assez de se faire balader de guichet en guichet. Donc il faut vraiment que la ville s'accapare de tout cela et puisse être une excellente base de direction vers les jeunes. En 2017, on avait plongé avec Philippe Desault dans le projet national des écoles de la deuxième chance. C'était quelque chose de très nouveau. On l'a monté pour Argenteuil. Mon successeur à la mairie a inauguré le système, et c'est bien. C'est au moins un projet qu'il a poursuivi. Prenons les chiffres maintenant. L'école de la deuxième chance, 5 ans après, c'est 75% de réussite des jeunes qui y rentrent. Donc 75% sortent avec un job à la sortie. C'est quand même un pourcentage qui est déjà supérieur à la moyenne nationale des jeunes en général. Et donc je pense que c'est un exemple à poursuivre et à renforcer. Donc nous, en 2001, on a pris cette ville avec une dette qui faisait, alors je parle en euros maintenant parce que c'était en équivalent euro, une dette de 200 millions d'euros que nous avons laissé 7 ans plus tard à 215 millions. Donc quelques pourcentages de plus alors qu'il y avait un besoin d'investissement énorme. Mais au-delà de ça, notre successeur à la mairie a pris cette ville. À apporter maintenant cette dette de 215 à 235 millions à la fin de l'année. Et au-delà de ça, le comité d'agglo a été formé par nous, avec M. Lespard, maire de Beson, en 2005-2006. Donc, non endetté, la dette de la CAB, la dette de l'agglo à la fin de l'année sera de 100 millions d'euros. Donc, c'est une dette qui a continué à exploser avec notre successeur. Et plus grave que ça, on voit des travaux tous azimuts en ce moment sur Argenteuil, vraiment tous azimuts pour mettre de la poudre aux yeux à tout le monde. Le souci, c'est que ces travaux ne sont pas payés. Donc la dette, elle est importante. Il l'a fait exploser alors qu'il s'est répandu dans le fait que la ville n'avait plus d'argent, qu'on avait laissé Argenteuil dans des conditions absolument déplorables, avec des emprunts toxiques, comme il l'a dit. C'est pas du tout ces emprunts qui ont apporté de la dette, pas du tout. Au contraire, ça nous a permis d'investir plus que nous n'aurions investi avec des emprunts ordinaires. Mais au-delà de ça, il a surtout porté la dette à 235 plus 100 millions, à 335 millions à la fin de cette année, plus une quinzaine de millions actuels de travaux hors budget qu'il ne sait pas financer. Et cette dette-là a été accompagnée d'une augmentation énorme et de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, et malgré ça, la dette s'est aussi envolée. On a vu dans la presse ces dernières semaines que Argenteuil était sur le haut du palmarès des villes qui ont augmenté le plus sur un mandat ce type de taxe, et les gens nous en témoignent des faits tous les jours. Ils ont assez d'avoir des services qui n'ont pas augmenté, mais par contre, des taxes d'habitation qui sont devenues impossibles dans certains quartiers. L'argent est beaucoup parti dans du fonctionnement, mais pas dans l'investissement. Il est beaucoup parti dans la communication à tout va. On a vu des banderoles fleurir pendant tout le mandat sur Argenteuil. La plus marquante a eu lieu ces 6-9 derniers mois. Ça a été sur le projet des berges de Seine, où on demandait aux gens de se prononcer sur le fait de récupérer les berges de Seine à terme.
En fait, c'était la question, c'était préférez-vous du caviar dans une Cadillac ou bien du pain rassis dans une deux chevaux, quoi. Sauf que le projet de notre successeur à la mairie était un projet faramineux, que ses collègues du Conseil général n'ont pas voulu suivre, que ses collègues de la région n'ont pas voulu suivre, que Alain Liquine, alors dans sa même majorité, n'a pas voulu suivre. Donc c'est un projet qui a capoté. 150 millions d'euros, c'est des choses qu'on ne peut pas investir à l'heure actuelle, c'est totalement impossible. On a eu une belle surprise lors du dernier conseil municipal. Il est revenu au projet que nous avions essayé il y a 5 ans. Sauf que il y a eu cette campagne d'annonces, de banderoles, d'IFOP et compagnie, qui a coûté 150 000 euros à la ville, mais tout ça pour revenir au projet que nous avions laissé il y a 5 ans. C'est honteux. Puis le reste, c'est la communication, encore une fois. Lorsque nous étions à la tête de cette ville, il y avait en relations publiques et communication 10 personnes, dizaines de personnes. À l'heure actuelle, il y en a 40 personnes. Je parlais des travaux tout à l'heure, le kiosque à fleurs à l'angle de Gabriel Péri et puis de Paul-Bien Couturier, 250 000 euros mis en exergue sur une banderole. Les gens, quand ils ont vu ça, ils s'arrachaient les cheveux, ils ont réclamé partout en mairie, comme par hasard. 8 jours après, on a changé de banderole, on a pu annoncer qu'un kiosque à fleurs, mais on n'annonçait plus le prix de 250 000 euros. C'est pas qui se moque-t-on. Au Champiou, par exemple, en face de la mairie et à côté du marché, il y avait un rond-point qui date de Robert Bondargent, si je ne m'abuse, sympathique, fleuri, arboré. Et ben, ça plaisait pas à monsieur. Il a fait sauter ce rond-point, il a remplacé par un carrefour à feu, 1 million d'euros. Arrivant en 2001, j'ai demandé à mes adjoints et à tous les directeurs de baisser les frais de fonctionnement, hors salaire bien sûr, de baisser les frais de fonctionnement pour l'année 2002, l'année suivante, de 10%. Ils ont tous fait la grimace, mais ils ont respecté tout cela, et ça n'a pas été 10% au compte administratif de 2002, ça a été 8,5%. Mais 8,5%, ça a permis de casser ce cercle infernal qui existait déjà auparavant. Ben, nous ferons exactement la même chose. Pendant la campagne 2008, campagne municipale, en sous-main, on a accusé Georges Meutron d'être raciste, d'être islamophobe. C'était des choses qui m'ont écœuré à l'époque, sur lesquelles j'ai eu beaucoup de mal à me battre, alors que tout le monde savait que c'était moi qui avais signé le permis de construire de la mosquée dite Renault. Encore une fois, ce que j'avais fait, je l'avais fait pour faire en sorte que les prières de cave ou les prières de rue soient mieux concentrées dans un lieu d'accueil normal. On a à Argenteuil beaucoup de musulmans, et il est normal qu'ils aient des lieux de prière corrects. Donc c'était ce qui m'avait poussé à, avec la communauté musulmane, à signer ce permis de construire. Alors, lorsque j'entends des discours politiques dans des mosquées, je dis non. Un maire se doit être parfaitement laïque. D'ailleurs, la loi 1905 a bien séparé l'Église et l'État, et le maire est aussi le représentant de l'État. Donc, faire comme ça se fait de temps en temps à Argenteuil, des déclamations dans des mosquées, voire dans d'autres lieux de prière, mais les mosquées, j'en ai vu même filmer sur Internet, c'est pas correct. Je crois que chacun a sa place, que le maire ait des rapports avec les différentes religions, tout à fait normal, qu'il soit invité à tel et tel événement pour souhaiter la bonne fête à telle et telle religion, pourquoi pas de souci. Je l'ai fait d'ailleurs, il fut un temps, mais rentrer dans le détail en vendant des campagnes électorales à l'intérieur
de lieux de prière, là je ne suis pas d'accord. Je suis totalement clair vis-à-vis de la communauté musulmane, parce que les rumeurs démarrent maintenant par des gens mal intentionnés. Donc je veux être très clair, je disais que j'étais le premier maire d'Argenteuil à accorder la peine de construire une mosquée, c'est la mosquée dite Renault. Les gens de la communauté dite Dassault m'avaient demandé la possibilité de construire une réelle mosquée, ce qu'on a travaillé ensemble pendant un certain nombre de mois, voire quelques années. J'avais proposé que la mosquée soit transférée sur des terrains derrière là où est la succursale Renault à l'heure actuelle, c'est-à-dire un peu entre Dassault et les bords de Seine, où un terrain appartenant à la ville existe. Ça leur aurait permis de démarrer de zéro, là. J'ai jamais refusé de permis de construire. J'ai discuté, j'ai proposé un nouveau terrain, et puis mon mandat s'est arrêté. Donc, je nie totalement le fait que j'ai refusé un permis de construire à la communauté dite Dassault, la communauté musulmane dite Dassault. Donc, je sais qu'il est de mode de dire que Georges Motron, s'il devient maire d'Argenteuil, il supprimera les deux mosquées, il détruira les deux mosquées, il supprimera la médiation, il arrêtera telle école coranique. Arrêtons. Georges Motron, il a fait la preuve depuis des années de l'excellent rapport qu'il a avec tout le monde, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa philosophie. Alors arrêtons de cliver. Argenteuil n'a pas besoin de clivage tel qu'on est en train de les cultiver en ce moment. Je nie le fait que je sois islamophobe. D'ailleurs, je suis athée. Je suis parfaitement en accord avec toutes les religions, à condition que les religions se respectent les unes les autres. Donc moi, j'ai aucune carte spécifique. J'encourage à ce que les cultes se déroulent dans la meilleure façon dans une collectivité comme celle d'Argenteuil. Ça a toujours été le cas, Argenteuil. Argenteuil était, il y a deux siècles, une ville quasiment entièrement d'agriculture et de culture agricole, donc, et puis est devenue au fil des ans, maintenant il y a presque un siècle et demi, une ville industrielle, industrie lourde, beaucoup de métallurgie, de fonderie en bord de Seine, et puis petit à petit spécialisée dans tel et tel domaine avec le démarrage de l'automobile, avec le démarrage de l'aviation. Donc on avait vraiment des métiers à forte valeur ajoutée qui malheureusement au fil des ans se sont évacués vers la province et puis maintenant voire dans d'autres pays européens et peut-être même plus loin que l'Europe. Donc il y a tout un tissu à recadrer. L'arrivée du tram qu'on a défendu avec Jacques Lézer, l'ancien maire de Beson à l'époque, fait bouger au-delà de la Défense, au-delà d'ici les Moulineaux, avec la ligne du T2, il faut que nous en profitions. Et donc que nous fassions en sorte que les entreprises à haute valeur ajoutée puissent s'implanter à Argenteuil. Je vois Argenteuil était le berceau de la Sagem, et la Sagem s'en va l'année prochaine d'Argenteuil. La Sagem, j'y ai connu 3000 à 4000 ouvriers il fut un temps. Il y en a encore 500 maintenant pour toute la recherche appliquée. Mais on n'a pas su la retenir. La Sagem s'en va à Éragny. Ça reste dans le Val-d'Oise, mais c'est plus Argenteuil. Et puis, autre signe du destin, Argenteuil a encore ces quelques dernières semaines une succursale directe de Renault, ce qui est extrêmement rare, en face de Dassault, Renault-Henri-Barbus disparaît à la fin du mois de décembre. Donc c'est tout ça, on fait beaucoup d'esbrouf, on fait beaucoup de communication, mais malheureusement on n'a pas les résultats qui sont annoncés. Je viens de parler de la Sagem, je viens de parler de Renault, un autre exemple, Babou en centre-ville. Babou, c'est un magasin que beaucoup d'Argenteuil, et même hors d'Argenteuil, aiment bien. C'est vrai que
lorsqu'il nous avait demandé s'il pouvait s'implanter à Argenteuil en centre-ville, nous avions été hésitants, c'était sur notre mandat, hésitants, mais on avait donné des marches à suivre, notamment sur la décoration extérieure, sur l'entretien. Ils ont respecté leur contrat. Babou n'est pas le Babou que l'on voit dans d'autres lieux en extérieur de ville, où c'est un peu la foire-fouille avec des éléments mal rangés qui donnent pas toujours envie d'y rentrer. Il y a toujours eu ce respect. Je regrette bien vivement que la ville, qui a peut-être une idée derrière la tête ces derniers mois, fasse en sorte que Babou s'en aille. On se prétexte des problèmes de sécurité, c'est des faux prétextes, puisqu'il a été dit que Babou n'avait rien à faire en centre-ville. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Argenteuil? Eh bien, depuis qu'ils sont fermés, ça fait 2 mois maintenant, 30% de moins de chiffre d'affaires pour tous les commerçants autour. Une ville est là pour vivre, elle ne doit pas stagner, elle doit toujours bouger de façon à donner envie aux gens qui l'habitent de rester, et voire même à donner envie à d'autres de venir pour pouvoir apporter toujours plus de richesse à cette ville. Nous avions en son temps fait un plan local d'urbanisme, c'était d'ailleurs le premier plan local d'urbanisme à Argenteuil en 2006-2007. Accepté par tout le monde, y compris l'opposition. Seulement, lorsque il est arrivé aux manettes, mon successeur a tout remis en cause, y compris ce PLU. Il a voulu donner des gages à un maximum de travaux publics et autres promoteurs. Alors, on a vu s'élever d'un seul coup, on a vu accorder des permis de construire dans tous les lieux d'Argenteuil, on a vu s'élever des tours en béton au détriment de beaucoup d'espaces verts. On a fait un recours immédiat contre ce PLU. On a gagné, mais manque de chance, on a gagné 18 mois ou 2 ans après, parce que la justice administrative est malheureusement trop lente. Ce qui fait que il a pu accorder des permis de construire à des promoteurs qui avaient choisi les meilleurs terrains pour eux dans Argenteuil. Il n'y avait aucune stratégie. Il est temps de revenir à une stratégie de développement d'Argenteuil. Nous l'avions évoqué en son temps sur l'ouest d'Argenteuil, sur les champions Henri Barbus jusqu'à la limite de Beson, où là, on a, au fil des décennies, voire des siècles, apporté de l'industrie, du commerce, des garages, des habitations. C'est un imbroglio total. Lorsqu'on voit des ferrailleurs qui sont à 50 mètres de la Seine, je pense qu'ils seraient mieux dans une zone industrielle ailleurs à Argenteuil. La tangentielle va bien arriver un jour à Argenteuil, depuis le temps qu'on en parle. Donc il faut absolument développer autour de ces nouvelles gares des possibilités et d'habitat et de développement économique. Donc là, il y a aussi des projets à faire. Et puis, j'oublierai pas un quartier qui est totalement abandonné depuis très longtemps à Argenteuil. C'est ce qu'on appelle le quartier de la gare de triage, qui est en plein centre géographique d'Argenteuil. Il y a des terrains qui sont totalement abandonnés. C'était une gare de triage très importante il y a 50 ans, mais malheureusement, le fret en France ne s'est guère développé. Au contraire, il a bien diminué. Il faut que nous récupérions, comme nous l'avions projeté aussi, une bonne partie des terrains de SNCF ou RFF pour avoir un développement harmonieux, un peu plus sympa que ce que l'on voit lorsque l'on passe en voiture le long de la ligne de chemin de fer, que ça soit au sud ou que ça soit au nord.